1984 won't be like 1984. Get your iPod. iPod's here. You like your Macintosh. You like your Macintosh. Your Macintosh. Apple. And the Macintosh, of all the machines I've ever seen, is the only one that meets that standard. iPod. 1,000 songs in your pocket. If today were the last day of my life, would I want to do what I am about to do today? La belle. On y va. Bon, c'est pas grave. Pomme, on va commencer tout de suite, même si mes amis essayent de m'interrompre avec cette première version vidéo très spéciale, hein, très très spéciale, puisqu'on fait une version improvisation. Alors, j'ai le MacBook ici qui est prêt, il y a mes collègues qui sont là-bas, que vous voyez, enfin ils sont là-bas, hein, donc on va les présenter tout doucement. Alors, il y en a un qui dès le départ a voulu faire grève parce qu'il n'y avait pas de conducteur d'émission, il ne savait pas que c'était Pomcast et qu'on freestylait beaucoup. En direct de chez Mac Games, là-haut. C'est Camille. Salut Camille, ça va ? Bien, bien. Ouais. Donc t'es en bas en fait. Ben c'est ça le truc, c'est que moi je vais faire aux gens, aux auditeurs, parce que c'est moi qui enregistre, je vais leur dire en haut, à gauche, à droite. Pour vous ça va être un peu tordu. Moi je suis en bas en fait, pour comme toi. Ça. Bêtement en bas, toi t'es au milieu chez moi. Alors d'accord, à gauche. Moi, c'est voilà. C'est voilà. Voilà, c'est ça. Et on va revenir sur toi dans deux secondes. Enfin, vers toi, plus que sur toi. Et. Doucement. Et à droite, qui essaye de se cacher avec son iBook. Enfin, il essaye de faire croire que c'est un MacBook, mais non, c'est bêtement un iBook. Bah bien sûr. C'est Raoulito qui est avec nous. Salut Raoulito. Allô, alors pour les points de référence, les gars, donc Raoulito, moi je suis en bas, au milieu, hein, chez toi, tu vois. Salut sir. Je suis là où toi tu es, en gros, pour faire simple. Oui, bah, imaginez-vous compris, que pour chacun de vous, je suis là où vous êtes. et puis à ta droite, il y a Camille, donc voilà, dis bonjour à Camille. Là, normalement. Voilà. Et encore plus à droite, clair, de l'autre côté. Donc toi, Camille, à ta gauche, il y a Raoulito, hein, dis bonjour à Raoulito. Bonjour Camille. Voilà. Je veux pas couper personne, mais moi à ma gauche et à ma droite, il y a personne. Hein, voilà, personne. Si Kaog, je t'assure, à ta gauche, donc la Kaog tout à gauche, tout à ma gauche, le Kaog là en haut à gauche, tout à ta gauche, il y a Camille. Si, je t'assure. La gauche, c'est l'autre gauche. Oh, c'est voilà. Génial, ça. Bon, malheureusement, c'est pas un podcast en live, donc vous pourrez pas envoyer des messages en live à Mac Games. C'est un espèce de podcast expérimental, ce qu'on fait là. On enregistre avec un super logiciel qui s'appelle Conference Recorder de nos amis de chez ICAM. Ah oui. Voilà. Donc ICAM, c'est ceux qui font iGlasses, ce qui permet avec une caméra USB d'avoir une meilleure lumière. Ce qui est pas mon cas parce que j'utilise ma caméra FireWire, enfin normal, la NV GS500 de Panasonic, c'est pour ça que l'image est relativement nickel de mon côté, à mes souhaits. Ils font iGlasses, ils font Conference Recorder, ils font Call Recorder qu'on utilise aussi pour le podcast en track de sécurité au cas où. Et ils font aussi ce qu'on peut gagner pour l'instant sur le concours de une pomme, ils font la Image. Donc voilà, je vais la montrer plus près de la caméra. iMage, qui est un espèce de remplacement de la livrée avec son... On peut toucher ? Oui, on tu peux toucher. Allez, vas-y, touche. Ah, qui sert de remplacement de la de l'iSight. En gros, elle est moins chère que l'iSight. En plus, 59€, si je me trompe pas. Et elle est assez nickel. Bon, la qualité, pour être objectif, est un peu moins bon qu'une iSight intégrée ou pas intégrée. Je trouve qu'elle est assez douce. Mais tu dis ? Elle est assez douce. Oui, pour l'avoir touchée, c'est ça. Par contre, elle a un avantage, c'est qu'elle est aimantée. Oh, d'ailleurs, la preuve. Ouais, elle est cassée. Non, je t'assure, elle est aimantée. Voilà. Voilà. Elle est aimantée, ouais. Si, non, mais c'est vrai. Moi regarde, aussi, aimantée, regarde, elle est aimantée, là, la preuve, là. Voilà, elle tient, là, aimantée. Donc, si tu la mets au-dessus de ton ordi, elle va être aimantée. C'est assez cool. Un de ces quatre, on fera un test où on vous montrera la qualité. Encore une fois, c'est pas une qualité d'iSight, mais c'est moins que cher qu'une iSight et c'est plus petit qu'une iSight, surtout, c'est plus pratique. Et ça se connecte en USB. Donc, comme le FireWire va un jour disparaître dans nos mécanes. Je te coupe, moi Stuff, je te coupe et juste pour dire que. Tu ne me coupes pas, sinon c'est ma femme qui va pas être contente. Non mais excuse-moi, il faut avoir un écran aimanté pour le faire. Donc avec l'iBook G4 de Raoulito, il ne peut pas le faire, c'est juste pour le casser un petit peu. Oui mais il faut avoir un ordinateur après.
êtes tous des petits, je n'ai rien à redire sinon que vous êtes des petits et je vous méprise tous d'ailleurs. Hein, puisque c'est de la vidéo, je vais en profiter pour faire une dédicace à nos amis de chez Logitech par qui dans le concours vous permettent aussi de gagner, ici je vous montre tout ce qu'on gagne, hein, qui vous permettent aussi de gagner le New Look. Alors le New Look c'est quoi? C'est un bidule assez space mais qui est assez rigolo et qui permet de s'en servir, donc c'est ça, hein, qui permet de s'en servir comme jog shuttle quand on fait de la vidéo par exemple, qui se permettent ça aussi en haut, c'est un petit peu comme une roue d'iPod en gros, ouais c'est super pratique, il suffit d'aller voir sur logitech.com/newlook, voilà, new look, on voit pas très très bien, et ça aussi c'est à gagner, ça vaut je crois 59€ aussi. Je crois que ça vaut son pesant de cacahuètes, non? À propos de pesant, c'est lourd, figure-toi. Et ça vaut exactement son pesant de cacahuètes. C'est téléachat. Et puis ne bougez pas, si vous ne bougez pas, je vais vous montrer ce qu'il y a encore à gagner. Il y a le ceci numéro aussi. De téléphone est affiché voilà. En bas de votre écran. Il y a la Razer Pro Mouse qui est à gagner Gertrude, aussi. C'est un élément formidable. Voilà. Il existe depuis longtemps en rose, en vert et en jaune. Et depuis peu, il y a un quatrième hardware qui s'est rajouté à la liste. C'est une souris de droitier, ça. Ouais, c'est clair. Et puis, oui, et bougez pas, et il y a encore un truc à gagner. Bon, oh bah, moi j'ai la mienne. Hein. Voilà. Hop, il y a un petit ceci là, en fait. À gagner. Mais même mieux que ceci, parce que, enfin, mieux, oui et non. Ça, c'est un ITV hybride. Et ce qui a gagné, c'est un ITV Diversity. Donc voilà, on va rentrer tout de suite dans les différents thèmes dont on a parlé, et notamment, il y en a un qui a quelque chose à nous dire un petit peu au niveau jeu, ça tombe bien puisque jeu en anglais ça se dit games et on est sur Mac, donc il y a Mac Games. Tout à l'heure, alors qu'on n'était pas encore en train d'enregistrer, il s'est déjà cru sur SVM Mac et il a sorti ses pochettes. Donc maintenant c'est à toi de à nouveau ressortir tes pochettes et surtout de motiver tous les poditeurs à venir cliquer comme des tarés sur la bannière, mais derrière à acheter, parce que c'est quand même un petit peu le principal. Non mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau chez vous? Parce que il faut préciser que tu es encore au travail à cette heure tardive, il est 10h46. Alors en fait il y a deux trois grosses nouveautés en ce moment. Il y a Civilization 4 Warlords. C'est l'extension de Civilization 4, très portée sur les combats et la guerre, ouais. Pas très portée sur la diplomatie. Ce qui se vend le mieux en ce moment chez nous, c'est les Sims 2 Animaux et Compagnie. Ouais. Ça, c'est le gros carton, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Oui. Donc, comme le nom l'indique, c'est louche. D'adopter des chiens ou des chats dans son environnement de Sims. Et avec ça... La France est un pays bizarre quand même. Le jeu qui marche le mieux, c'est un jeu avec les chiens et les chats. Voilà, c'est les Sims. Et sinon, en très bon jeu de stratégie, on a Age of Empires 3 qui arrive, ouais. Star Glory, et The Movies qui permet à tout le monde de créer son propre studio de cinéma. Ok. Ah, c'est pas mal. Quelles sont les... la réactivité... Vous allez arrêter de faire des imbécilités, les deux, là. On fait pas de bruit, hein. La réactivité... Ouais, c'est un peu le problème de la vidéo, hein, par rapport à l'audio, hein, c'est que si on monte pas et qu'on donne brut de décoffrer, on peut faire des bêtises. Quelle est la réactivité des... t'as bien fait de montrer des trucs quand même. Quelle est la réactivité des poditeurs de Pomcast pour l'instant aux bannières? C'est un petit peu dans cette direction-là. Hein. Oui, c'est comme ça, mais... Mais ça va aller mieux. Ils sont comme ça. Ouais. Ah, je me rapproche de vous. Attends, moi je peux gagner, mais je le ferai pas parce qu'il faut que j'enlève mon pantalon pour gagner. Non, mais on va peut-être pas le faire parce que je vous rappelle que ce podcast va quand même être vaguement vu par 2 à 3 000 personnes. Donc explicite. Donc on va rester explicite. Sinon, tout à l'heure je parlais de hardware pour une pomme. J'ai oublié de. C'est tout. Je vous ai donné les 4 hardware. Je pensais que j'en avais oublié un, mais non, il y en a 4. Et puis au niveau des licences, il y en a 56 millions. Allez voir la liste. Et puis on va donner un indice dans ce pomme 4. Qui permettra aux gens de jouer. Il va falloir écouter ce pomme 4 aussi. Du jour, les éléphants sont roses. Non, mais ça va pas les être ça. Les éléphants sont roses. Ça va pas être ça en fait. Ce qu'on va donner aujourd'hui comme indice, c'est tout simplement celui que j'aurais dû donner éventuellement demain dans une pomme, mais on va tout décaler. C'est il va falloir que les gens aillent sur le site web de iClip, qui est donc inventif.us, et puis ensuite /iClip, et ensuite que je regarde ce qu'il va falloir faire, parce que là je vous fais tout ça en vrai live. Comment inverser l'image dans iChat? Ouais.
Remarquez, ouais, moi aussi je pourrais le faire si j'étais pas si loin de la machine. Voilà, c'est ça. Je voudrais savoir, et ça c'est pour les poditeurs, je vais tomber là. Laissez-moi finir deux secondes. On va plus loin que les limitations de quoi avec iClip. C'est dans l'avant-dernier commentaire, le titre, Go Behind the Limitation of the quoi. Et ce truc, c'est ce mot que vous devez trouver. C'est un mot qui est juste un tout petit peu important pour l'informatique depuis 25 ans. Sinon, Raoulito, tu voulais aujourd'hui râler un peu, il paraît. Parce que tu es enfin doté d'un véritable Mac. Donc c'est-à-dire iBook n'est plus ton Mac standard en gros. Je voudrais, d'abord encore bravo et félicitations à Monsieur McGinn parce que malgré tout j'ai joué beaucoup. Alors j'en profite pour le dire grâce à lui un peu. Et ceci dit, revenons à mes problèmes à moi. j'ai donc eu Stuff, tu viens de te casser de l'écran là tout de suite. Non mais c'est normal, c'est parce que je devais cliquer. Ah, d'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il y a ? Je voulais dire, en fait, j'ai donc mon iMac 24 pouces qui est arrivé. Mon iMac, pour certains qui parlent que anglais. Il est magnifique. Oui, parce que grand, je l'ai déjà dit, les iMac, ils en font plus depuis pas mal de temps. Hein. Tout comme les iPod. Tout comme les... Non, mais les iPod, ils en ont jamais fait. J'ai jamais vu, moi, des iPod. Voilà. Bon, et ton iMac 24 pouces ? Je vous maîtrise, il n'y a aucun problème. C'est quoi ton problème avec ton iMac 24 pouces ? Bah, écoute, moi, j'ai eu des... Il y a des problèmes, en fait... Moi, j'ai à la fois eu l'iMac 24 pouces et un Mac Intel en même temps. Ouais. Donc, j'ai découvert des problèmes que je n'avais pas avant, forcément, en G4 ou en G5. Fais-toi plaisir, Stuff. Hein. Bah ouais, écoute. comme à la maison, aides, écoute. Écoute, j'ai regardé aujourd'hui... je fais pareil que toi, c'est parti. Pirates of the Silicon Valley, je me suis rendu compte que Steve Jobs est très souvent en chaussettes et en pantalon court. En pantacourt d'ailleurs, parce que pantalon court, c'est très con comme nom. Mais c'est pour ça qu'on dit pantacourt, c'est plus court. Voilà, je sais, c'est très con. Bon, et sur ce, on va laisser terminer Raoulito, hein, puisqu'on parle de... allez-y. C'est toi qui le... Non, mais vas-y, tes problèmes. Quels sont tes problèmes ? Explique-nous tes problèmes. Nous sommes là pour t'écouter, nous sommes une famille. Au fait, j'ai pas été introduit. Si, tu as été introduit. Voilà, c'est fait. Je m'en souviens pas. Et profond. C'est fini, oui. Bon, allez, Raoulito, tes problèmes. Donc j'ai un iMac 24 pouces, d'accord. Donc déjà, il fait 11 kilos. C'est pas le truc forcément léger, mais c'est un détail, c'est marqué dans la fiche technique, il n'y a pas de surprise. Et cela dit, c'est pas portable. N'est-ce pas ? C'est intransportable. Alors, première chose déjà, de base, hein, et là, je suis tout de suite en confrontation avec Stuff. Déjà, l'écran du iMac, il est moins lumineux que celui de Dell, mais même au minimum, il est trop lumineux pour moi. Alors là, c'est clair. Au minimum, il me crame les yeux. Au maximum, c'est simple, je le vois plus. Bon, d'office, hein. Non, alors, mais ça, je vais dire pourquoi. C'est parce que c'est trop d'années d'iBook, ça, en fait. Je sais pas. Mes yeux sont pas prêts pour ce genre de lumière. J'ai mis au minimum, c'est pas assez. Bon, tu es un Gremlins. Un nain. Regarde, d'ailleurs, ça se voit. Regarde, si je le monte un peu, secondo, la taille... Voilà, donc secondo, sinon la taille de l'iMac pose un petit problème au niveau de la... Moi aussi, je peux le faire. Ah, mais moi, j'ai pas bougé, hein. Bon, amenez Blanche-Neige. Qu'est-ce que j'ai pu tester ? C'est par exemple l'écran, toujours l'écran, non, sur les côtés, non, il y a un petit surprise. Non, Kaog. Non, ne fais pas on ça. On veut garder les auditrices. Je connais les limites de mon MacBook, je sais que... Non, mais je le connais, t'inquiète, c'est pas drôle. Oui, et alors, avec ton écran, vas-y. Continuons sur l'écran. Le second problème de l'écran, en fait, c'est que quand tu le regardes de face, et tu mets surtout au démarrage quand tu as le fond gris avec la petite pomme là au milieu, tu te rends compte que sur les côtés droit et sur les côtés gauche, c'est beaucoup plus sombre en fait. Et tu te demandes bien pourquoi. Au début, tu te dis mince, il a trop chauffé, on m'a filé un truc de merde. Pas du tout. Parce que ces petites ombres là, elles disparaissent quand tu te mets face au côté gauche ou face au côté droit. C'est-à-dire qu'en fait, il est tellement large avec apparemment un problème au niveau du degré de vision. Normalement, c'est 170 degrés, mais là, je sais pas. Ce qui fait que quand tu es bien au milieu, déjà sur les côtés, c'est trop loin, entre guillemets, pour que ce soit tout de suite nickel. Fallait acheter un écran Dell, monsieur. Fallait acheter un écran Dell. Alors, cliquer sur la bannière Pomcast. Oui, vas-y, Camille. Je ce qu'il dit ici. J'ai un iMac 24 pouces dans la pièce d'à côté. J'ai eu aucun problème avec l'écran. Il est magnifique. Bravo. Voilà, donc c'est la faute à Raoulito. J'ai un écran 23 pouces pour comparer, c'est la même chose. Voire un peu plus brillant pour l'iMac. Voilà. Tiens, est-ce que chez Mac Games vous testez les jeux, entre guillemets ? Bah oui. On les teste pendant toutes nos pauses midi, ouais. Non, mais ça veut dire que vous avez donc plein de bécanes pour être sûr que ça tourne, en gros. Non. Ou ça, pas. C'est le boulot des éditeurs. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. Les éditeurs qui font ça, on y joue sur nos machines personnelles. Ouais, ok. Donc vous jouez en plus, c'est ça le pire. Non, pendant les pauses midi. Vous êtes des vrais gamers en plus. C'est leur passion, quoi.
Entre 10h et 19h, seulement pendant la pause midi. Ok, pendant la pause midi entre 10h et 19h. De toute façon, c'est que c'est une. C'est long la pause midi chez vous. Non. Mais si, tu viens de dire c'est entre 10h et 19h. Ouais. Non, mais il y a l'apéritif, il y a les entrées, le plat principal, le dessert, le fromage. Bah, et Raoulito, hormis ton problème d'écran qui n'est pas un problème, comme vient de nous le dire Camille. Et d'ailleurs, en plus, après, si tu te plains d'avoir un écran 24 pouces, il fallait acheter un iMac 17 pouces. Hein. Attention, je ne me plains pas complètement d'avoir un écran 24 pouces. Hein. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Parce qu'il y a des avantages réels. Hein. Ça, c'est clair que Soundtrack, Final Cut Pro et les logiciels comme ça, c'est un vrai régal. Ne bougez pas, je bouge. Voilà. Enfoiré. Ça, c'est pour toi, ça. Putain, il a un iMac 24 pouces, il fait quoi et blablabla. J'ai pas fini, pousse-la. Alors ensuite, c'est ma deuxième découverte, évidemment, ça a été avec Front Pro. Ouais. Oh, une télécommande, moi, joie. Ah oui, la petite télécommande, sympa, il y a pas de souci, quoi. Ouais, cela dit, la télécommande, je sais pas toi, Kaok, mais sur le MacBook, moi, quand je pars avec le MacBook, 99 fois sur 100, je l'oublie, la télécommande, quoi. Moi aussi. Okay. Bah, je croyais, en fait, moi quand j'ai acheté le MacBook, je croyais qu'elle se rentrait. On t'entend vraiment pas fort, Camille. Bah, moi, je l'ai perdu, ma télécommande. Ah, oui, ben moi j'ai fait mieux que ça, les gars. Moi, je l'ai laissé dans un jeans que j'ai mis à laver. Super. Mais elle a tenu, elle a survécu, elle fonctionne toujours aussi bien. Donc la télécommande, les Apple Remote, elle passe très très bien à 40 degrés. Vous rejoignez la catégorie de gens qui ont oublié leur iPod Shuffle dans le pantalon aussi, pareil, pour le mettre au lavage, quoi, je pense, parce que c'est la même taille. C'est la même catégorie, c'est la même taille. Voilà. Ouais, non, mais ça s'oublie tout le temps. Et alors la télécommande, tu en es content, Raoulito? Pas du tout. Non, il est pas content. Achète un PC, Raoulito. Arrête tout. Ah, si tu cliques sur la bannière Dell qui est sur Podcast, je recommande les moniteurs, mais tu peux aussi éventuellement acheter un PC. Attends, il y a une bannière Dell. Oui, parce que j'adore les moniteurs Dell. Oui, parce que j'adore les moniteurs Dell. Del. Au revoir. Je m'en vais. Bravo. Reviens. Tu m'as empêché. Ça, c'était couru, ça. Tu mais c'est bien parce qu'en plus, ce qui est bien, c'est qu'il a un background derrière. Donc au moins, on n'est pas seul. On a un cadre, au moins. Ouais, on croirait à l'époque où on bombardait. Et puis, c'est bien équilibré parce que comme il est au milieu, au moins, ça pose pas de problème d'équilibre. Vous êtes toujours vous êtes bien en balance. Il est au milieu. Ah, il revient. Bonjour. C'est sûr qu'il est au milieu. Bonjour, vous êtes bien sur le Dellcast. Et il est classe, hein. Un billet classe, hein. Bah tiens. Ah ouais. Oh. Ah oui, chez Mac Games, vous pouvez envoyer des messages qui seront transmis à l'animal que l'on voit là. Mais après, c'est quoi ton problème avec la télécommande? Moi, je la trouve cool, en fait. Non, la télécommande, elle est cool. Le seul problème, c'est que, honnêtement, Front Pro, plutôt le logiciel, il est chouette avec iTunes, puis avec le DVD. Peut-être avec les iPhoto, mais j'ai jamais eu l'occasion de tester iPhoto, mais il va arrêter, celui-là. Mais alors, franchement, en ce qui concerne les movies, c'est une catastrophe. En ce qui concerne les movies, c'est une catastrophe. Franchement, tu parles de Front Row, oui, mais c'est normal parce que Front Row, d'abord, il y a deux problèmes. D'abord, c'est encore un peu buggy. Ensuite, il faut une bonne connexion internet. Il est en train de nous faire une présentation. Quoi. Ouais, ça c'est clair, ça c'est clair. Ce qui est évidemment, quand on a que 1 méga, c'est pas évident d'aller sur les trailers. Et finalement, il y a un petit truc à faire, c'est qu'il faut désactiver quelque part l'accès au site des trailers de Apple parce que sinon, ils cherchent tout le temps comme un con, un peu un truc bizarre. Mais clairement, Front Row, moi, je trouve que c'est bien, mais c'est pas un produit abouti, quoi. Parce que Front Row, à chaque fois que tu veux montrer à des gens comment tu fais, tu veux faire une démo de ton Mac. Et tu vas, attention, il va nous scanner, les gars. On est dans Men in Black. Faites gaffe, les gars, il va vous scanner. Pich. Cause we're the man in. Attends, moi j'ai ce qu'il faut. Ouais, voilà. Mais sinon, allez, à part la télécommande, est-ce qu'il y a des trucs dont tu es content sur l'iMac 24 pouces? Eh ben oui, figure-toi. Ouais. Ah, ouais. Par exemple. Alors, bah, de toute façon, l'iMac 24 pouces, mis à part sur 24 pouces, il y a le processeur qui est original. Sinon, tout le reste, ça a été toujours comme sur un iMac, hein, il n'y a pas de problème. Mm-hmm. Et, ouais, sauf qu'il a 24 pouces. Et puis, la fameuse carte graphique qui est un peu différente et qui est éventuellement interchangeable. Alors voilà, et surtout, déjà, c'est une Nvidia. Alors, en ce qui me concerne, j'adore les Nvidia, mais on arrive à un second problème qui m'énerve énormément, mais ça, tout le monde le sait, je le savais aussi, mais le vivre, c'est beaucoup plus dur que de le savoir. C'est que. C'est simple, bande de Men in Black. J'ai pas mes lunettes de soleil, moi, attends.
En fait, mon problème, c'est que j'essaie de travailler en professionnel, c'est impossible sous Mac. Clairement, c'est impossible sous Mac. Aucun des logiciels que j'utilise en professionnel ne fonctionne avec les avec le Mac. Je me sens seul là, les gars. Je sais pas pourquoi, mais je me sens seul. Parce que j'ai pas de lunettes sous la main. Remarquez, sous les pieds non plus. Hein. Mais t'en as déjà parlé du problème de Mac et de designer et de trucs 3D, mais t'as qu'à changer de métier après aussi. Mais oui, mais 3D, il y a aussi Photoshop, il y a aussi After Effects, il y a effectivement Maya, il y a effectivement Combustion. Aucun des logiciels professionnels actuellement sur Mac n'est encore passé sur processeur Intel. Aucun. Et honnêtement, j'en suis arrivé, alors moi, en quelques jours, à ce résultat terrifiant. C'est ça. Je m'amuse, je bricole, je fais mes petits podcasts sur Mac, je regarde mes mails, je regarde mes films. Mais quand je veux travailler, je redémarre et sur Windows. Et là, c'est horrible, je vais me faire incendier, mais sous Windows, c'est une machine géniale. Kaog, fais gaffe, tu vas faire de la pub qui n'est pas payée dans Pomcast, donc je ne vais pas supporter ça longtemps. non, mais sérieusement, c'est assez frustrant, ça. L'autre qui dit que les PC c'est mieux, on est où là? c'est pas moi. Sérieusement. C'est pas de ma faute, monsieur. C'est la mienne peut-être. Mais oui. Ah non, mais je suis désolé, mais il faut que je le dise, quoi. Moi, franchement, le Mac, le problème de l'OS, c'est que, enfin, il y a aucun logiciel pro qui tombe dessus, ce qui fait que tout ce qui tombe dessus, c'est non, génial. Non, mais il critique pas le Mac en l'occurrence ni macOS, il critique macOS sous Intel, en gros, pour faire simple. Non, je critique tous les éditeurs de logiciels professionnels qu'on attend depuis un an et qui n'ont pas fait le boulot. Faut mettre les choses en place. Après, c'est pas évident pour ces pauvres gens qui se sont vus imposer par Apple de tout simplement réécrire Photoshop. Alors si tu veux, attends, demain, j'étais tu t'y mets... Depuis des mois, moi j'en suis sûr. Rien du tout. Depuis deux ans, ça fait 2 ans qu'ils le savent. Mais tu veux que je te dise? Ils le savaient, attends, je sais comment travaille Apple, ils le savaient le jour de la keynote. Ça se passe toujours comme ça avec Apple. Ça fait 2 ans. Voilà. Mais non, ça fait 2004. Ça fait depuis 2004 qu'ils sont annoncés les Mac Intel. Mais non, oui, ils sont annoncés 2004. Depuis juin 2005. Ah bah t'étais pas avec nous alors, mais t'étais où? Attends. Enfoiré. Mais bon. Où est-ce que tu étais? Ouais, et sinon, Raoulito, t'en as fini avec ton iMac ou t'as encore un jeu à présenter, non. Toi là ou... C'est quoi? Il y a des choses encore. Parce que, mis à part les logiciels qui sont pas optimisés, donc Intel, ouais. Je ne parle même pas du fait d'avoir des logiciels optimisés 64 bits. Alors là, ça devient carrément la révision. Mais pourquoi tu me parles de 64 bits, t'es sous Tiger? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu veux faire avec toi exact. Avec du 64 bits sous Tiger? T'as des applications qui tournent en terminal? Eh ben, on y arrive. Eh ben justement, on y arrive. Parce que je tiens à le signaler qu'il y a un logiciel qui m'a troué le cul. Je suis désolé, mais je peux le dire. C'est un logiciel qui t'a trouvé le bip. Voilà, qui m'a épaté. Alors là, c'est Parallels, je suis tombé amoureux. Il m'a installé Fedora 64 bits. Dessus, j'ai mis Maya en 64 bits. Je vous dis, les performances, c'est monstrueux. Arrête, parce que je crois que Camille va s'en aller. Hein. Moi, je trouve, je trouve ça honteux. Il critique Mac et le seul truc qu'il trouve bien, c'est un truc où tu installes Windows. Mais achète-toi un PC. Non. Quitte cette conversation, Fedora, tu nous bouffes la bande passante pour rien. Mais pourquoi tu veux installer Linux? C'est limite pire que Windows. Parce que 64 bits, parce que Maya en 64 bits sous Linux et Fedora en 64 bits sous Linux. Ouais. Bêtement. Hein, Non, mais c'est et vrai. Dernier, par contre, un autre truc qui marche très bien et qui m'a épaté, et alors là qui est meilleur que Windows pour faire plaisir à monsieur McGames et garder plus beaucoup la fin, vous allez rire, c'est un truc. c'est un peu un détail, d'accord, mais franchement, moi j'ai adoré. C'était. Tais-toi, Kaog, ou je te coupe. C'est la calculatrice. I call. C'était quelque chose d'extraordinaire, le transfert de user. Ce machin, il m'a transféré les users, les settings, les drivers, les logiciels. La seule chose que j'ai eu à faire de passer de mon MacBook, de mon e-book à mon iMac, c'est de retester tous les logiciels pour voir ceux qui démarraient en PowerPC, ceux qui démarraient directement en Intel. Et moralité, j'ai découvert que Real Player, même la dernière version, est toujours pas optimisé Intel. Et qu'il y en a qui disent. Mais pourquoi est-ce que tu dois démarrer l'application pour savoir si elle est en PowerPC ou en Intel? Il est écrit. Non, mais attends, il est écrit dans l'application s'il est universel ou pas. Real Player, il est universel depuis plusieurs mois. Oui. C'est la même chose pour Windows Media Player Flip for Mac. Ouais. C'est la même chose pour QuickTime. Bah ouais. C'est la même chose pour VLC. C'est la même chose on pour d'accord. tous les players Mac maintenant. Ouais. Ouais, tout à fait. Real Player, j'ai installé le 10 ce matin. Pour moi, quand je vais dans mon moniteur Activity, il me dit toujours en face Power PC, hein, clairement. Version 10, je l'ai téléchargé ce matin. Bon, c'est bah, ça le problème. Parce que c'est vrai qu'il y a la majorité des... Oui, t'as pris la version PowerPC.
Non mais tu crois pas si bien dire parce que peut-être pas dans le quadriole, mais faites gaffe, des fois il n'y a pas forcément l'universal, des fois il y a une version PowerPC et une version Intel. Voilà. D'ailleurs, restons réalistes, dans quelques mois, allez en étant gentil quelques années, vous n'aurez plus d'universal, vous aurez une version Intel et les gens qui ont un tout PowerPC, vous irez vous faire brouter. Enfin c'est l'impression que Vince devra passer à l'Intel. Oh, non, voilà. Vince est passé à Intel, il a un MacBook. Ah bravo, oh, c'est bien. Mais... quand même. Hein. Pour revenir avec monsieur Maguem, non, je suis d'accord avec toi en fait. Hein, il y a la majorité des applications, surtout toutes les petites en fait, j'ai envie de dire toutes les petites, elles étaient déjà passées en Universal Binary. Une seconde, Real Player Universal est disponible depuis le 12 mai. Ah cool. Bah écoute, je vais revérifier ou alors faut me donner le lien parce que moi j'ai. Raoulito, une seconde, dans tes dents. Dans tes dents. Bah en plus, le pire, Camille, je vais te dire, le pire c'est que le monsieur là à ta gauche. C'est le plus vieux des utilisateurs de Mac, entre en tout cas moi et Kaok, parce que Kaok t'es aussi switcher toi, non? Non, ça fait 6 ans que je suis sur Mac. Ça fait 6 ans. Ah bah lui il y était probablement avant carrément. Mais il critique pourtant. Et l'autre en haut là 92. Et moi petit monsieur là au milieu seulement je sais plus 2000-2002 quelque chose comme ça. Donc pas avant 2000 quoi, ou 99. C'est parti des gens qui se sont rendus compte que Mac était beaucoup mieux, mais c'est bien. C'est pas ça, moi, c'est que je l'ai déjà expliqué 100 fois, c'est juste qu'avant j'ai tout simplement et purement pas entendu parler d'Apple. Donc il y a un problème de communication chez Apple, j'ai vraiment pas entendu parler d'Apple avant 99-2000, point barre. T'es bouché à l'Emery. Mais j'ai découvert les Mac en bossant avec des designers dans une boîte de développement web quoi. Et voilà, c'est ça qui est génial, c'est que tu étais professionnel et tu n'avais jamais entendu parler de Mac, c'est ça qui est rigolo. Mais attends, j'étais professionnel professionnel dans le monde du développement web. Et mais ouais, mais il y a toujours un bruit genre de Mac. Voilà, non, bah. Maintenant oui, maintenant depuis quelques années, mais pas en 2000. Et voilà. Je vous invite d'ailleurs. Est-ce que t'as fini Raoulito ou pas? Parce qu'on va pas faire 6 heures sur ton iMac, on reviendra dessus une fois, surtout qu'on fait de la vidéo. Non, parce qu'il est pas content là, il va en parler pendant 6 heures justement. Mais ça marche, hein, c'est tout, ouais, c'est bon. Il marche bien. Parce qu'on y reviendra de toute façon, mais je voudrais juste éventuellement. Kaog, reviens dans l'image s'il te plaît. C'est pas sérieux. Je mouche. Non, ne roule pas ton joint en dehors de l'image, c'est une émission non fumeur. Sors de l'image finalement. Non mais je le fais là. Il y a pas de problème. Une dernière seconde, s'il vous plaît. Je viens de découvrir la réponse à notre Real Player problème. C'est qu'en fait c'est la 10.1 qui est une update qui passe en Universal Binary. La 10.0 n'est pas Universal Binary. Voilà, c'est tout. Et quand tu télécharges sur le site de Céréal, c'est bien ce que je pensais, il t'envoie la 10. Ah bah, et pas la 10.1. Je voulais juste préciser aussi, quand tu télécharges Internet Explorer 1.0, c'est pour Windows, il y a très longtemps aussi, c'est pareil, il y a mis à jour depuis. Ouais. Sur le son haute définition. Vous aimeriez écouter ce titre en toute tranquillité? Oui, mais voilà, vous êtes dans le train. Et donc voilà ce que vous entendez. Et si vous êtes dans le métro, voilà ce que vous entendez. Pour pouvoir entendre, vous devez monter le son au maximum. Avec les écouteurs Shure et leur atténuation naturelle de 93% des bruits ambiants, tous ces bruits indésirables deviennent alors lointains, à peine perceptibles et sans endommager la qualité du son. Vous allez donc pouvoir écouter votre musique ou votre podcast en toute tranquillité, tout en baissant le son. Si vous êtes raisonnable, fini les fatigues auditives et les migraines après une écoute prolongée. Les écouteurs Shure intègrent des transducteurs de haute qualité permettant d'écouter avec la meilleure qualité audio. Si maintenant vous désirez profiter d'un son inégalé, il y a le 500 PTH. Cet écouteur intègre pas moins de 3 micros haut-parleurs haute définition. Un tweeter et deux woofers associés à un filtre offrent une qualité de son inégalée. Et oui, vous avez beau être dans les transports en commun, vous retrouverez la sensation d'être assis confortablement dans votre fauteuil face à votre chaîne Wi-Fi. Sure, le son haute définition.
Tiens, Kaok, si t'as quelque chose à dire d'intelligent, réfléchis parce que dans deux minutes, je vais te laisser la parole. Et entre-temps, je voulais juste vous dire que j'ai jeté un œil récemment à un film que je connaissais depuis très peu et qui est pour moi une anthologie et que tous les geeks et surtout les Mac geeks doivent absolument voir. Je sais pas s'il y a un de vous trois qui l'a vu, c'est Les Pirates de la Silicon Valley. Hein? Vous avez vu ce film ou pas? Non. Non, vous avez entendu parler de ce film ou pas? Pirates des Caraïbes. Donc Camille, tu l'as vu? Non, mais j'ai commencé à lire le bouquin. Ah, mais il faut. Enfin, moi j'ai vu le film et je trouve ce film assez mortel. Ça date de 99. En gros, c'est l'histoire de Bill et de Steve, donc de Bill Gates et de Steve Jobs. Ce qui est assez génial, c'est que pour vous donner l'envie d'acheter le DVD, c'est que l'histoire de Steve Jobs est racontée par l'acteur qui joue le rôle de Steve Wozniak, de Woz, et l'histoire de Bill Gates est racontée par l'acteur qui joue le rôle de Steve Ballmer. Donc c'est assez génial et ça permet de comprendre pas mal de choses. Alors, évidemment, il y a 2-3 fictions, hein, mais concrètement, c'est vraiment basé sur des faits réels et on voit notamment l'évolution de la construction d'Apple, comment ça a grandi avec John Scully qui arrive, Bill Gates qui fournit des logiciels, un truc assez génial. Allô, Bill Gates qui vend. Tu dis Camille, qu'est-ce tu disais? Ah, tu bon. Si, tu es revenu. Bill Gates qui fait un truc assez génial, qui vend à IBM le DOS qu'il n'a pas encore programmé. Donc ça, c'est un coup de maître. Hein. On va pas, faut pas se leurrer. Au niveau marketing, il est fort, le garçon. Et notamment la grande histoire de Steve qui fait confiance à Bill. Et puis finalement, Bill qui copie un petit peu tout. Ah, on a un ami qui vient de nous quitter. Camille vient de nous quitter. On va le rajouter dans la conversation. Oh. Donc je reviendrai sur ce Pirate of the Silicon. Kaog, est-ce que tu as quelque chose à dire ou à meubler pendant que je réinvite Camille? Il n'y a aucun problème. Bon bah vas-y, parle. Donc moi je voulais juste préciser, tiens Raoulito, on peut discuter à deux. Raoulito, tu es là? Moi je suis là, il n'y a aucun problème. Voilà. Bah, je voulais juste me demander qu'est-ce qui te plaît dans ton iMac 24 pouces, puisque je sais pas, enfin quand même t'arrêtes pas de te plaindre. Alors soit t'as des gènes féminins, enfin je veux dire t'as un petit côté féminin quand même, t'arrêtes pas de te plaindre. Je vais me faire beaucoup d'amis ce soir. Oui, je amis sais, IOS. Je sens. Mais sérieusement, pourquoi as-tu acheté un iMac 24 pouces? Toi qui es amoureux de Mac et qui essaye de corps et âme de convertir ta copine au Mac, pourquoi tu critiques autant l'iMac 24 pouces? Alors, deux choses. La première, c'est que, effectivement, alors que ce matin encore, c'était pas le cas, Real Player, je viens de le relancer et ce con maintenant, il apparaît en Intel dans l'activité moniteur. Donc, déjà, tu vois, comme quoi j'avais tort. Ok, première chose. Et seconde chose, c'est bien, quand tu reconnais, c'est le premier pas. Voilà. Et quand je me suis mis à travailler, en fait, j'ai travaillé avec Motion Builder un petit peu, mais sur la version Mac, en fait, par exemple, je travaille avec un peu Soundtrack aujourd'hui pour faire les podcasts et trucs comme ça. Alors, la taille de l'écran, c'est génial. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est un rêve. Non, mais c'est un rêve. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est vrai que quand je travaille en 3D sous Maya, en plus, au niveau de la carte graphique, franchement, ça suit quand même. Et j'ai l'impression que là, Rosetta ou non, ça fonctionne. Moralité, c'est vrai que la carte graphique, elle donne un effet buff. Je ne critique pas ça non plus. Et dernière chose, le son. Parce qu'avec ma copine, ce qu'on a fait, c'est qu'on a beaucoup regardé des films et des dessins animés, franchement. Au fait, Raoulito, alors, il leur faut une... Je t'autorise à enlever tes lunettes de soleil. C'est juste parce qu'on voudrait voir tes beaux yeux, non. Non, je l'ai gardé, tiens, hein, pour faire chier le monde. Non, ça va pas être possible. Alors, et donc... Attends, bah, vas-y, je te joins. Je vais... Top. Top. Merci. Il va y avoir du virage dans Pomcast, hein. Viré pour port de lunettes de soleil inadapté. Oui, bah oui. Ouais, et j'ai une mauvaise nouvelle, les gars, c'est que je n'arrive pas à rajouter Camille. Il ne revient pas. Et le setup n'est pas encore idéal ici. Donc, c'est lui qui avait raison pour Real Player. Ouais, je lui dirais. Raoulito, termine un peu parce que de toute façon, après, on va un petit peu conclure pour ce premier reset de Pomcast. Raoulito, vas-y, continue de te plaindre. Non, j'aimais bien, mais ceci dit, quand j'ai commencé à travailler sur le PC avec les logiciels, je me suis vachement bien éclaté. Parce que c'est vrai que travailler en 3D avec un 24 pouces, c'est un rêve, je me crois au niveau professionnel. Et regarder des télés au niveau du son, c'est vraiment un rêve. Les 2x24W, franchement, c'est un rêve. Alors là, au niveau du son et de la vidéo pour jouer, etc., les DVD, les DivX, tout ce que vous voulez, impeccable. Je dirais même plus, et les DivX qu'on avait avant et qu'on trouvait super bien sur une télé ou sur un iBook, ils tiennent plus du tout la route là. Hein. L'écran, il nous montre clairement qu'ils sont plus beaux du tout. Et alors ça, je suis d'accord. Ouais. Donc
moi je dis c'est une machine super bien, mais honnêtement elle ne sera vraiment à fond comme j'ai fond utilisée entièrement sous Mac et plus besoin de rebooter quoi que ce soit sous Windows à partir du moment d'ici quelques mois quand tout sera sorti vraiment optimisé pour Intel. Et ça c'est le gros des le gros truc qui me gêne le plus, c'est ça. Mais bon, mais ensuite l'écran ça reste pour Intel. Enfin, je sais pas quoi, il y a énormément d'applications. Bon, c'est clair que Photoshop et le reste, mais voilà, mais ça va venir ça. Les plus gros, les plus importants, les incontournables malheureusement. Mais je regrette pour parce que franchement, elle passe suis... encore, elle sont en émulation avec Rosetta, mais elle passe très bien quoi. Bon, c'est oui, j'ai utilisé, ça exploite pas 100% de ton truc parce que bon, c'est une sorte d'émulation, mais enfin bon, ça tourne quand même. J'ai donné un petit je me permets alors, à ce moment-là de donner un petit test juste qui a été fait sous Maya et ensuite je t'embête plus, Steph, promis. Hein, c'est un test qu'on a réalisé avec une scène qui a été faite sous Maya. Mon ami qui a un Pentium M 1 giga 7, elle a joué le jeu et on a lancé sous Maya sous PC, sur ici sur le Mac en PC, sur le Mac en Windows et sur son PC à elle. Et résultat des opérations sur le iMac ici en macOS 10, l'image met 1 minute quelque chose comme 1 minute 50 à calculer. On est passé sur son Pentium M à elle, il met 1 minute 28 à calculer. 1 minute 20 à calculer. On est passé sur mon iMac en version Windows, on est passé à 38 secondes. Avec Bootcamp ? Ouais, avec Bootcamp, on est passé à 38 secondes. Ouais, ça confirme que les Macs sont des très bonnes machines pour Windows, c'est inquiétant. C'est ce qui se lit de plus en plus, hein, notamment que le Mac Pro est une bécane terrifiante pour Windows. Enfin, on n'est pas là pour faire l'apologie de Windows, mais... Non, mais bah, tout simplement parce qu'on attend le fameux Léopard et les logiciels optimisés et 64 bits et optimisés Intel. Et à partir du moment où quand on aura ça... Quand tu dis ça, Windows, tu parlais de Windows XP 64, alors ? Il y a Windows, oui, forcément Windows... Non, là, en captant, j'étais juste en Windows 32 bits et un Mac... j'étais sous Maya en 32 bits, hein. J'étais ouais. Vu uniquement... Sur un total 32 bits, j'obtiens déjà. C'est pour ça que j'essaye Fedora et la version Maya pour Linux. Ah bah super. Donc tout ça pour j'ai dire que au niveau revenu, puissance du processeur, c'est voir s'il était revenu. Et il est revenu. Non. Sauf qu'il a changé de place. Hein. Attention, parce que maintenant il est à droite de Kaog. Voilà. Rebonjour Camille. Attention, tu as changé de place. Maintenant tu es salut, complètement Camille. À gauche. Donc à ta gauche, il est à Kaog. Tu peux, vous pouvez vous dire bonjour. Ah ben non, mais il est reparti. Bon, je crois qu'on va pas, faire 6 heures comme ça. Hein. On va clôturer pour aujourd'hui. On reviendra à un de ces quatre. Je sais pas très bien combien de temps ça a duré. Parce que j'ai pas d'indication. Si ça vous plaît, dites-le nous. Si ça vous plaît pas, dites-le nous aussi. On le refera certainement. Et on essaiera la prochaine fois d'être un petit peu plus préparé, de vous montrer différentes choses. C'est pratique parce qu'on peut faire des démos, si on veut faire une démo par exemple avec l'iPod ou quoi, on peut faire, bon voilà, on voit pas grand chose, mais on peut faire vraiment des démos. Je peux aussi travailler avec plusieurs caméras, je l'avais déjà essayé, ça marchait aussi, mais là j'ai c'est pas à ça eu que ça ressemble un iPod en couleur. Ça c'est Mighty Mouse. Attends, moi je vais montrer mon iPod en noir et blanc. Montrer plein de trucs si vous voulez avant qu'on s'en aille, ça c'est mon MacBook par exemple. Tiens, tu peux me montrer sur le côté. Tu m'avais dit qu'il n'y a pas de séparation. Tu m'avais dit qu'il n'y avait pas de séparation au niveau de ici, là ici. Ben... parce que ici, il y a dans la coque, il y a une séparation. Non, et t'as dit qu'il n'y en avait pas. Là. Non, tout est dans la coque. Ah ouais. Ah ouais. C'est ah ouais, génial. Quand même. Ouais, c'est assez génial. C'est bah ouais, c'est ça fait pas. Ouais, ça fait, c'est mieux qu'un iBook quoi pour faire ça. Et puis sinon, avant qu'on s'en aille, un tout petit truc encore. Regardez chez moi. Ouais, bah, c'est pas regarder chez moi, mais c'est regarder là en dessous. Je peux même pas vous montrer. C'est le bordel. Ah, c'est génial, c'est le Mac Pro. C'est la guerre. Oh là là, il a une moquette, le gars. Bah oui, et puis au-dessus du Mac Pro, il y a le Mac Mini. Que je ne vends pas, finalement, voilà. Je le garde. Parce que j'ai décidé que ça servait de petite machine d'appoint pour si je dois faire des tests, bidouiller un peu. Donc, c'est un petit peu podcast. Ce qu'on a fait là, c'est même très très podcast au niveau du style. Et c'est ça que beaucoup de gens aiment. Donc, on va continuer comme ça. Merci les gars d'avoir été avec nous. Merci Raoulito à ma droite. Merci Kaog à ma gauche. Salut. Merci salut. Camille sortie. Et puis vous pouvez donc vous saluer l'un l'autre. J'exige que vous vous saluiez. Salut. Donc non, vous allez vous saluer. Vous allez vous saluer à la japonaise. Hein, donc vous allez vous tourner du côté où l'autre est. Ah non, vous devez vous tourner du côté où l'autre est. Non, c'est pas de chance, Raoulito, c'est de l'autre côté. Ah, Kaog est bon, là. Voilà. Et attention, 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'on dit, les gars ? On dit que dans la vie, il y a deux catégories de gens. Il y a les gens... Il y a les gens qui aiment bien Intel et d'autres qui préfèrent PowerPC. Il y a les gens qui... Voilà, non. Il y a les gens qui sont sous
comment on termine? Ah oui, c'est ça. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui creusent et ceux qui switchent. Salut. Ciao. 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 Ciao.